Ah, c'est les fours! Ah merde! Ah, c'est pas les frigos! Tu les as brûlés! Oh, il avait pas l'air d'être bien, le monsieur, là. J'aime pas les trucs comme ça, ça me stresse. Merci Bouboule pour les 100 bits, merci beaucoup. Ah! Il veut de l'eau? Je sens mal cette histoire. Oh non! Ah non, hein! Pas la panne de courant, pas maintenant, hein! Oh putain. Une porte qui est un peu ouverte là ou pas? Absolument pas. Oh non! C'est laquelle qui s'est ouverte? Ok. Oh, j'aime pas. Y a pas d'eau. Alors, y a pas d'eau du tout. On fait comment? Y'a pas d'eau. Monsieur, je peux pas vous donner de l'eau, pis de face. C'est rien, c'est un spasme. Ça m'arrive de temps en temps. C'est quelque chose de très commun chez moi. Ça arrive parfois. J'ai sursauté. Bonsoir. Y'a quelqu'un? En bas, hé hey. Y'a quoi derrière moi? Je veux lire le papier comme si de rien n'était. Je... Y'a quelque chose derrière moi là. Je vais lire le papier comme si de rien n'était. Rapport médical de l'hôpital, nom du patient malade, 71. Motif d'admission en raison médicale, diagnostic inconscient, fracture du... Dépression du crâne. Dépression du crâne. Fracture. Brûlure au troisième degré sur les deux bras. Oh là 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 là. Enfin, quelque chose qui s'annonce pas très bon, hein. Quelque chose qui s'annonce pas très bon. Merci beaucoup Dark pour les 100 bits et merci Osho pour ton abonnement. Ah, je le sens mal. Ah, je le sens mal. Oh là. Oh là là. Mais ça suffit là. Ta gueule. Arrêtez, hein. Le monsieur veut de l'eau. C'est compliqué là de me filer un petit peu d'eau. Un little gobelet s'il vous plaît. C'est quand même... Qu'est-ce que je fais? Bon écoutez monsieur, je vois pas ce que je peux faire, hein. Peut-être... Bah là-dedans on lui dira que c'est... C'est de l'eau et puis c'est tout, hein. Mais qu'est-ce que tu... Mais écoutez, je vais retourner voir le monsieur. Y'a pas d'eau, y'a pas d'eau. C'était pas ouvert tout à l'heure, là.
Oh putain. Oh là là, c'est chaud ça. Mais non, mais faut arrêter au bout d'un moment ce type de jeu là. Ah, je suis désolée monsieur, je sais, il a soif, mais tu veux que je te dise, tu veux que je te dise quoi? Les toilettes? Oh, je le sens pas. Il y a un papier? Des papiers? Ça a pleuré. Ça vient de là? Ça vient pas de là. Ça pleure. Ça pleure, ça vient d'où? Oh, j'aime pas l'ambiance. En plus, il te fout des bébés. We can find any water on this floor. Ah non, hein? Ah non, tu vas la fermer, Martine, hein, je te le dis. On commence à me faire chier ce jeu. Hein. On va pas être copains. Quelqu'un? Un code. Oh non, il y a un code à trouver, on est dans la merde. Oh, je vois bizarre. Oh! Poisson! Et ça pleure. Oh non, le chat qui me dit pub. C'est le moment où on trouve le code. Mais ça chiale, hein. Donc il me reste encore deux codes à trouver. Ça me fait pas rire. Hein. Je peux pas ouvrir les cabinets là? Ça s'ouvre pas ça. No water, mais c'est fou! Et le gars qui a soif, il est foutu, hein. Je suis à 3 codes, non? Ah non, je suis à 4. Ça fait quoi? Sapin, poisson, tente, cercle. Sapin, poisson, tente, cercle. Cette personne. Il est assez fort le son du jeu, ça va?
est bien, ok. ...914, il y avait écrit, non? Je crois qu'il y avait écrit 914. 914, c'est bien ça. Je sens que je vais m'étouffer. Ah, par pitié, faites pas les cons. Mais l'ambiance! Non mais l'ambiance, elle est méga glauque! Je peux pas ouvrir ça! Hein. Y'a l'autre, j'imagine qu'il y a qu'un. Ta gueule! Merci Aura pour ton 5e mois d'abonnement! Merci beaucoup pour ton message, ça fait très plaisir! Chadra, tu vu une balle! Hein. Bonjour. C'est ici la salle d'attente? Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, hein. On va pas se mentir, les mecs. Ça discute pas des masses par ici. Hein. Bonjour. C'est ici le médecin? Putain, mais ça fait flipper de ouf. Up for another game, General. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Let's not get ahead of ourselves. About the research. We have to stop. It is useless research. It is becoming too difficult to hide. Besides, those are our soldiers. They fought for our country. The least we can do is honor. Ça parle de soldats? Du coup, est-ce que c'est un hôpital qui gardait les soldats ici pour les soigner? Peut-être ça. Hein. For our country, I am. Belle ambiance de merde. Hein. It is over, Frank. I'm shutting it off. Make your move, General. Huh. Checkmate. Looks like I always win. We will see about that. Qu'est-ce que je dois faire là? C'est quoi ce bruit? Oh! Ah! Attends, il faut que je chope le fœtus ou pas, là. Je crois que je me suis enfoncée dans la cabine avec le fœtus. J'y vois plus rien. Qu'est-ce que c'est ça? Ta gueule! Attendez, attendez. Merci Anonymous pour l'abonnement offert, merci Aurore. Attendez. Je vois rien. Attendez. Putain, mais... Je marche sûrement sur le bébé, mais c'est pas possible. C'est quoi le... J'imagine qu'il est pas au sol le bébé là. Mais attends, je suis en train de caler que cette pièce elle était pas là. Je viens seulement de comprendre ça.
C'est quoi le délire? Oh, c'est un ordre. Genre, alors, porte ouverte, porte fermée, c'est ça? Merci Del pour ton deuxième mois d'abonnement. C'est ça, non? Porte ouverte, porte fermée, porte ouverte, porte fermée. Oh! Ah bah Billy! Mais c'est glauque ce jeu-là. T'as changé Billy, hein. T'as géchant mon petit. J'ai dit quoi? Porte ouverte, porte fermée, porte ouverte, porte fermée. Alors, porte ouverte, porte fermée, porte ouverte, porte fermée. This way, sir. Ah d'accord. Quelle est la touche pour s'accroupir, s'il vous plaît? Ah, faut juste faire un clic gauche. Cet endroit, c'est de la cire. Oh, t'as des mecs au plafond, j'avais pas vu. Oh, mais il s'est passé quelque chose ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, ça n'en déverrouille qu'un. Oh mince. Oula. Attends, je peux pas piquer une bougie. Ah. Attends, il y a souci là, non? Oh, il y a le bébé! Attends, je suis pas bien. Il y a encore le fœtus là. Il faut que j'aille là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas la 913. C'est pas celle-ci. Bah, il y a que celle-là, quoi. Ça tremble. Ah! Est-ce que c'est la chaleur qui ouvre un petit peu les... Oula. Dad, could you tie my shoes? Peut-être se coller. Ah d'accord, il y a les leviers en dessous. Il y a les leviers qui sont en dessous. Ah bah ça. Ah peut-être vous allumez ça. Je veux dire, ça s'ouvre pas pour autant le bail. Bonsoir. Je vais ouvrir ça. Ah, mais j'ai trop peur qu'il y ait un monstre ou qu'il y ait un truc qui me fonce dessus là. Genre vraiment? Ok. Bon, là, je pense que j'ai tout fait. Ça fait flipper ce jeu là. J'espère que vous avez la même ambiance que moi. Ah! Attends, c'est qui celle-là? Allume! C'est la sœur à Martine ou Oh non, tout est éteint. Faut que je rallume ou pas? Ah, je peux rallumer. Je rallume, j'en ai rien à foutre. Merde. Ah, je rallume. Ça va peut-être m'aider, hein. Dans tout ce malheur, peut-être que le fait de rallumer quelques chandelles, ça peut éclairer ma route. Ah là, elle est éteinte, celle-là. Par contre, celle-là, je peux pas y accéder. Elles sont beaucoup trop hautes. Ah, j'ai déverrouillé un succès. Let there be light. Ah bah c'était peut-être juste pour un succès. Ah mince. Je vois rien. Les gars, je vois rien. Putain, y a quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Sir, yes sir. Mais attends, moi j'étais le commandant, non? Regarde, tout le monde est en mode yes, sir. Je suis le commandant, moi, non? J'ai l'impression d'avoir un grade important. Mais on est tous morts dans cette histoire.
Oh, il y a une femme morte au sol. Mais c'est quoi ce truc? Ah! Ta gueule! C'est des verres! Merci Paul, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci Dell aussi. Oh! Oh bah ça fait. Oh bah tiens! Ah bah! On connaît ça nous, hein, The Mortuary Assistant, hein! On en a embaumé du corps! Ta gueule! Alors attendez! Merci Missy pour ton abonnement. Hop là, moi je referme, je connais un petit peu. On peut loquer? Allez hop! Je. Mais quoi? Attends, non, c'est peut-être caché dans un des trucs là-bas? Mais il y a des corps là-haut aussi. Ah, là-haut, je peux pas interagir. Ah, il faut peut-être que je réouvre, hein. Attends, je peux plus. What? Ta gueule. Mais il y avait quelqu'un tout à l'heure. Il y avait 100% quelqu'un tout à l'heure. Ah, c'est les fours! Ah merde! Ah c'est pas les frigos? Tu les as brûlés? Ah bah oui mais bon moi si on me donne pas le même matériel aussi. Dans un mortuaire assistant, ah je suis désolée ce n'est pas de la mauvaise foi. Ah je suis désolée. Mais dans un mortuaire assistant ce sont des frigos. Au bout d'un moment il s'agirait de revoir son métier. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Non non non. Merci beaucoup Misty pour ton abonnement. Merci Paul aussi pour ton abonnement. Merci la geekeuse et merci Brian aussi pour ton deuxième mois. Merci à tous les copains. Non mais c'est incroyable ça au bout d'un moment. C'est quand même pas de ma faute. Si on me fournit pas le bon matériel. Oh non c'est fermé. Ouais ça doit fonctionner par chapitre je pense. Je suis désolée ça ressemblait à des frigos. Bonjour monsieur, madame, je ne sais pas. Vous allez bien? Ah, moi j'aime pas les trucs comme ça. Ça ouvre ça? Je vois pas cette merde. Bon, vu comme ça clignote là-bas, je pense que c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ce bruit? Ah c'est ça. Il n'y avait pas ça il y a deux secondes. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce truc? Il y a plein de morceaux. Ah il y a un cadavre là. Enfin, il y a un cadavre, il n'y a que ça depuis tout à l'heure, mais... Ok. Bon, je vais aller voir un petit peu tout... Ah! Projet 914! 914, c'était le papier qu'on avait tout à l'heure? Pas lire les journaux. England déclare war. Donc l'Angleterre déclare la guerre. Cause bruit. C'est quoi ce bruit? Oh! Je ne l'avais pas vu.
Je ne l'avais pas vue. C'est la femme de tout à l'heure, c'est horrible. Elle est en train de pleurer. Je suis désolée, madame, je voulais pas vous ignorer. Je suis désolée, je voulais pas vous ignorer, madame. Putain, elle me fait flipper un peu, quand même. Oh non. Oh non. Il y a un cadavre à droite, il y avait pas de cadavre à droite. 914. Quoi l'histoire, c'est qu'on lui a arraché la tête? Ah, the patient is... Ah, patient 560. La patiente est enceinte. And doing well, she was admitted to the experimental drug. Possibility of giving birth to a modified baby, c'est ce qui est écrit? Attendez. En gros, la patiente 560, elle était enceinte. Et du coup, ils lui ont donné des cachets expérimentaux. Et du coup, ils sont en mode, il est possible qu'avec tout ça, le bébé soit modifié à la sortie. C'est ça, on voit. Donc en fait, la maman qui pleure depuis... La dame qui pleure, ça se trouve, c'était la maman. Et elle pleure parce qu'elle a plus son bébé. Oh là là, ça, je suis en train de partir dans des histoires. Lui, c'est le patient 914. Mais le 914, on l'a littéralement arraché la tête. Mais attends, je comprends pas tout pour le moment. Ça clignotait comme ça tout à l'heure là-bas. Putain, arrêtez hein. Une fois c'est marrant, deux fois, mais c'est bon là. Arrête. Accelerate the cell growth with a handful of biological modifications. Qu'est-ce que c'est que ça? It's possible. It's definitely possible. A super soldier. We may even not need trenches. Ah, ils voulaient faire des super soldats, du coup ils ont modifié génétiquement. Oh, c'est horrible. C'est un hôpital qui modifiait génétiquement les soldats, ils faisaient des tests sur eux pour en faire des super soldats pendant la guerre. Mais c'est horrible. Bon, ça suffit la porte maintenant, hein. Ça recommence. Ça ressonne là-bas. La fin des cours. Pardon. Oh, ça m'a fait flipper. Oh, je déteste ces séquences-ci. Parce que, tu sais, il t'habitue avec tous les bruits ambiants. T'as plein de sons autour de toi. T'as la porte qui claque. T'as la sonnerie. Y a tout. Et d'un seul coup, tout s'arrête. Et là, t'es en mode, quand tout s'arrête, tu sais que ça va. C'est là où ça commence, normalement. Oh, je suis stressée, là. C'est moi les bruits de pas comme ça, là. Eh ben, on va partir. Très vite. Vite! Je peux pas...
c'est que ce bordel? La sœur à Martine arrive. C'est du sang? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah, ça s'ouvre maintenant. Oh! C'est quoi ça? Sir, those three soldiers refuse to follow orders. Refusing orders is punishable by death. Oh! Refuser genre de coopérer est punissable de mort. C'était ce qui était écrit? Est-ce que je vais mettre le cœur là-dessus? C'est quoi cette merde? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est écrit exit. Donc il faut peut-être que je donne des trucs pour sortir. Mais c'est quoi ce jeu? C'est un truc de fou. Mais il y a quelque chose là peut-être? Ah! Ah non. Je peux récupérer peut-être quelque chose sur eux. Mais ils ont été attachés. Ok, donc ça, ça a été fait. Faut toujours que je fasse droite et gauche pour essayer de me souvenir. Oh! Ok. Oh non, mais c'est horrible. Hein. D'accord. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Hein. T'es dans les intestins. Je sais pas où je suis, mais ça m'a pas l'air... normal comme situation. Where is my child? Oh! Où est mon enfant? Ah bah ça c'est la mère. Ah bah ça, ça doit être la mère. Ah, y a un truc à récupérer. Ça, ça doit être la mère qu'on a vue peut-être. Qu'est-ce que je récupère? Là quand même. Non mais. Ah oh, puis il y a la trompette, elle mange tout. Hein. Oh, mais c'est chaud de ouf. On l'a fait celui-là. Hein. Where is my child? Celui-ci, c'est la sortie de l'autre. C'est horrible. Mais pourquoi avoir fait des tests sur la maman qui était enceinte? C'est un soldat, elle aussi? Non, mais pourquoi avoir fait des tests sur elle, quoi? Oh là là. What happens to the injured soldiers? They keep disappearing. It's nothing you should worry about. C'est quoi ce que je viens de ramasser? C'est des doigts? C'est ses doigts! C'est ses doigts que j'ai ramassés! Non mais putain, non mais c'est horrible! C'est horrible! Il leur faisait vivre un enfer au mec! C'était peut-être la femme du commandant. Pour que les modifications génétiques soient ancrées dans le code ADN de l'enfant. C'est horrible! On l'a fait, hein. Ah non, c'est horrible. Ah, 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 je sors. Un œil. Mais c'est dégueulasse, hein. Je sais pas dans quel monde on est là, mais c'est horrible. Avant de m'approcher du fœtus, j'ai envie de voir ce qu'il y a. Attends, attends, mais c'est une création? On vient de créer le bébé, là, avec tous ses membres. Ah non, ça s'ouvre plus? Ah, c'était peut-être fait exprès, alors. Ah, ça s'ouvre plus.
Ah mais j'aurais bien aimé voir ce qu'il y a dans cette salle là. Bon, on va y aller. Mais ah non, à moins qu'après c'était le bébé. Et le bébé on le donne en offrande. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? How's he doing? Où est-ce que je suis? Great. Vient de se réveiller. Super. Good morning, General. Bonjour, Général. Who is insane now? Who is insane now? Take it easy. What? You were under a lot of medications. With some side effects. Like hallucination. Je comprends pas. This case is ready. Take him downstairs. Mais non. Ça chante comme tout à l'heure. Je comprends pas. Mais quoi? J'ai payé 5 euros, moi. J'ai payé 5 euros, le jeu, hein. Mais j'ai payé 5 euros. Alors, le jeu était bien. Le jeu était vraiment bien. L'atmosphère était bien. Tout était posé. L'histoire commence à ressembler à quelque chose. Mais là, on m'a laissé sur ma faim. On m'a laissé sur ma faim, là. Quelqu'un peut m'expliquer la fin du jeu ou pas, s'il vous plaît? À mon avis, le patient 914, c'est toi. Ça racontait l'histoire du général. Ah, tu crois? Il y a sûrement plusieurs fins, je sais pas. Hein. La voix, c'est peut-être celle de l'infirmerie qui t'emmène. Parce que dire que... Attends. Ou alors, par contre, j'avoue que beaucoup m'avaient dit... Hein, on va passer sur le deuxième jeu dans quelques instants. Mais j'avoue que beaucoup m'avaient dit « Kiki, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas terminé ce jeu. Il est insoutenable. » J'ai réussi à le finir, personnellement. En plus, il n'était pas long. En plus, il n'était pas long. C'est pas comme un Outlast où il y a vraiment plusieurs heures de jeu. Et là, vraiment, c'est insoutenable, le bail. Mais... Donc, attends. Nous, pour moi, nous, on est le commandant, là. On est le commandant. On est dans un hôpital où il y avait des tests sur des soldats. Ils essayaient de modifier leur ADN pour créer de super soldats. Et ils ont reculé devant rien, les mecs, pour faire des tests. Ils ont même modifié les gènes d'une maman qui a été enceinte. Du coup, ça a modifié son bébé et tout. Nous, de ce que je comprends, on s'est opposé à ça. On n'était pas du tout d'accord
avec le fait que les soldats étaient en train d'être modifiés, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'ils nous ont mis dans un sale état. J'ai l'impression qu'ils nous ont mis dans un sale état, justement, pour pas qu'on puisse aider, tu vois, pour pas qu'on puisse donner notre mot. Tu as compris ce qu'il fallait qu'il ira. C'est l'histoire du général qui était le patient 914. Il voulait arrêter les expériences, il en discutait dans la partie d'échec, et ils l'ont drogué et rendu fou, car il voulait pas faire de super-homme. Ah, ok. Ok, bah c'est bien ce que j'ai compris. Ouais, par contre, le gars n'a jamais eu son eau. On n'en parlera jamais assez. Au tout début du jeu, il y a un mec qui veut de l'eau. Hein. Il a rien eu, le pauvre. Hein. Et donc, autre question. À la fin du jeu, on est emmené dans une pièce. Pour moi, on est emmené dans la pièce où, vous savez, il y avait le truc qui sonnait en mode école, là. Vous savez, quand, genre, c'est la fin des cours, ça sonne. Il y avait une pièce tout à l'heure dans laquelle ça sonnait, vous vous souvenez? Pour moi, elle m'emmenait dans cette pièce. Mais du coup, est-ce qu'elle va pas me faire buter? Je pense que le corps sans tête, c'est toi, le général. Ah oui, donc voilà. Ok. Effectivement, t'as potentiellement raison. Parce que si vraiment le 914, c'est nous, effectivement, sur la table, à un moment, on voit un corps qui n'a pas de tête. T'as raison. On voit un corps qui n'a pas de tête à la fin. Donc, potentiellement, ils nous ont fait rentrer dans cette pièce. Ils nous ont coupé la tête.